Point numéro 13. Convention entre la ville et le CCAS relative à des prestations effectuées pour le SIAD. Je laisse la parole à Madame Broutin, adjointe aux solidarités. C'est bon. Pardon ? C'est bon ? Ah oui, c'est... D'accord. Le SIAD, qui est donc le service de soins infirmiers à domicile, est une unité de soins à domicile située rue Ambroise-Croizat dans le quartier des Bellevues. Ce service est composé de 3 infirmières, dont une coordinatrice, une assistante administrative à temps partiel et de 10 aides de soignantes pour la prise en charge de 52 lits. Le SIAD bénéficie d'un ensemble de prestations de soins infirmiers et de toilettes à domicile, effectuées prise en charge par la ville de Houilles. La ville met donc à disposition du SIAD des locaux, l'entretien et la gestion de la flotte automobile, donc soit 10 véhicules, la téléphonie mobile, la prise en charge de la fonction ressources humaines, la prise en charge de la fonction administration et finances. Le SIAD rembourse donc ses dépenses à la ville. Dans ce cadre, les dépenses faites par la ville pour le compte du SIAD sont intégrées dans le budget annexe du CCAS, du Centre communal d'action sociale. Donc, la convention définit la liste des prestations ainsi que les modalités de prise en charge par le budget annexe du CCAS pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Elle a débuté le 1er janvier 2018 et arrive donc à son terme le 31 décembre 2020. Il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de bien vouloir adopter le projet de convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer. C'est fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point ? Nous allons passer au vote. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? Adopté à l'unanimité.